بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 10 sur le cours d'agrandissement et réduction dans l'espace, niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Un cône a un volume de 108 cm3. On multiplie toutes ses dimensions par 4 sur 3. Calculez le volume de ce nouveau cône. Calculer le volume de ce nouveau cône. Le cône d'air bhal qalb ديال السكر ديالك. Ça c'est un cône. Et on veut savoir son volume après l'opération. Quelle est l'opération qui s'est faite ici? Oui, c'est l'opération d'agrandissement. Puisque 4 tiers est un nombre supérieur strictement 1. Allez, vous allez calculer ce volume. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va répondre à cette simple question. Réponse. Soit V prime le volume de ce nouveau cône. De ce nouveau cône. Le volume du cône de départ est V qui est égal, ou bien EV, si vous voulez bien, tel que V est égal à 108 centimètres au cube. On sait que V prime est égal à quoi? Oui, est égal à K au cube fois V. D'après la propriété. Donc, V prime est égal à 4 tiers. Je vois ce que, oui, le coefficient c'est 4 tiers. 4 tiers au cube fois 108 cm au cube. C'est-à-dire V prime est égal 4 fois 4, 16. 16 fois 4, c'est 64. Sur 27 fois 108. 108, c'est 54 fois 2. Et 54, c'est 27 fois 2. Voilà, donc c'est 27 fois 4. 27 fois 4, ça donne 108. 4 fois 7, 28. 4 fois 2, 8. Et 2, 10, c'est juste. Donc je peux réduire par 27. V' est égal à 64 fois 4. 4 fois 4, 16. 6 fois 4, 24, 25. Voilà, c'est 256 cm au cube. C'est ça, le nouveau volume de ce cône. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeitoun, Marrakech. Au revoir.